Est-ce qu'un illustrateur ou n'importe quel créatif doit forcément se spécialiser pour réussir en tant qu'indépendant? C'est la question du jour. C'est honnêtement un de mes sujets préférés. J'en avais déjà parlé pendant un petit séminaire qui s'appelle Les Breaks Indés, qui a été organisé, je crois, si je dis pas de bêtises, en février par Alexis Michela, où j'avais évoqué justement ce sujet de se spécialiser. C'était un petit peu la première fois que je me mettais dans ce sujet. Et honnêtement, depuis, y a eu 6 mois qui se sont écoulés. Moi, j'ai réussi à me spécialiser un petit peu plus et du coup, c'est un sujet dont je peux aujourd'hui vous parler un peu plus pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça représente. Alors, cette série de vidéos, c'est une série de 4 vidéos qui sont un peu plus orientées business pour les indépendants et surtout pour les illustrateurs, et ça marche aussi pour n'importe quel créatif. Et dans cette série de 4 vidéos, du coup, je vais vous parler aujourd'hui de la spécialisation. Je l'ai un peu fait dans l'ordre, comme quand on réfléchit, quand on veut justement se mettre en freelance. Donc aujourd'hui, c'est se spécialiser. Dans la prochaine vidéo, ce sera la prospection, donc comment trouver des nouveaux projets, des clients. Et la troisième vidéo, ce sera facturer un projet d'illustration. Parce que ça, c'est une des questions que j'ai le plus souvent sur Insta. Aussi bien facturer quand on vous demande juste une illustration pour un particulier que facturer un gros projet pour une entreprise. Et la dernière vidéo, ce sera diversifier ses sources de revenus. Alors, j'ai étalé ces 4 vidéos sur le mois septembre et ce sera aussi un peu sur le mois d'octobre parce que ce sera une fois par semaine. Comme vous savez, je fais 2 vidéos par semaine. Je fais une vidéo comme ça, face cam, on va dire, très éducative, et une autre vidéo un peu plus en mode vlog, mais où je vous montre aussi pas mal de choses avec mes applications et tout. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera un petit peu aussi sur le planning éditorial sur Notion. Donc, abonne-toi si tu veux voir la prochaine vidéo et pas la rater. Et du coup, tous les lundis, ce sera des vidéos autour de ces sujets-là. C'est parti! Alors concrètement, ça veut dire quoi se spécialiser ou définir ses offres? Alors dans l'illustration, tu pourrais tout simplement définir ça par un style de dessin. Donc par exemple, si toi, ton truc, c'est l'aquarelle et que tu as envie de te spécialiser dans l'aquarelle, vas-y, tu peux te spécialiser là-dedans. En gros, quand je dis spécialiser, c'est vraiment pour pouvoir... quand un client va arriver sur ton site, il va vouloir savoir ce que tu fais toi, mais pas quelqu'un d'autre. Et du coup... il va venir te voir, il va voir que tu fais beaucoup d'aquarelles, que tu fais par exemple pratiquement que des paysages à l'aquarelle, et du coup, si il cherche vraiment quelque chose dans ce sens-là, il viendra te choisir toi et pas quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un qui ne se spécialise pas, qui fait un petit peu de tout, pour moi c'est plus un exécutant créatif que vraiment plus, on va dire, un artiste. Bien sûr, c'est pas obligé de se spécialiser, vous n'êtes pas obligé de faire que de l'aquarelle, pour reprendre l'exemple que j'ai fait avant, mais c'est quand même plus simple pour qu'il y ait des potentiels clients qui vous trouvent et qui sachent exactement ce que vous faites du premier coup d'œil. Donc c'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé, en tout cas moi je le conseille toujours. Pour vous donner un exemple et vous raconter un petit peu mon expérience, quand j'ai commencé en tant que freelance, j'étais plutôt graphiste. Donc je faisais tout et n'importe quoi, tout ce qui passait, je prenais. Donc j'ai fait aussi bien, on va dire, des stickers pour mettre sur des murs, donc avec de la typo, du lettering, que de la mise en page d'un espèce de magazine pour un robot, que faire une identité, enfin je faisais vraiment tout et n'importe quoi, tout ce qui passait je prenais, de toute manière j'avais juste besoin de gagner ma vie, donc j'ai pas réfléchi à tout ça, mais au fur et à mesure j'ai essayé de me respécialiser un petit peu plus avec des projets qui incluaient de l'illustration. Donc ça a été un peu compliqué parce que forcément on venait me voir pour tout et n'importe quoi, j'étais juste une exé en freelance, et au final j'essayais toujours de trouver des projets avec de l'illustration, donc j'ai réussi à faire la transition au fur et à mesure, mais je faisais l'illustration vraiment très vectorielle. En fait, le premier truc que je posais en question à un client quand il venait me voir, c'était qu'est-ce que vous voulez comme style d'illustration. Du coup, je lui demandais d'aller sur Pinterest ou même sur Google Images. C'est pas terrible comme référence généralement ce qui me sortait, du coup je mettais Pinterest ou Dribbble, je leur disais d'aller sur ces 2 sites et de choisir un style. Et en fonction du style, je faisais un devis qui, en fonction du temps que ça allait me prendre, de la difficulté, je pouvais ajuster mon devis. Mais du coup, j'étais au final qu'une exé qui répondait juste à un problème d'un client. Donc j'avais plein de missions différentes, donc c'était cool pour pouvoir commencer, pouvoir tester plein de styles d'illustration, parce qu'effectivement à l'époque, ce que je fais là aujourd'hui, je le faisais pas du tout, donc j'étais juste contente de pouvoir dessiner, même si c'était avec une tablette sur Illustrator, et du coup j'ai réussi à commencer à inclure l'illustration dans mon travail comme ça. C'est sûr que pour le client, c'est juste un problème de moi je sais pas dessiner, j'ai besoin d'une plaquette avec une illustration, donc j'ai demandé à une illustratrice lambda qui fait un dessin et qui va pouvoir s'adapter.
Donc c'est cool, moi ça me permettait de dessiner, lui il était content, mais j'avais pas ce sentiment de vraiment être illustratrice dans le sens où on venait me voir pour mon style de dessin, vraiment un truc en plus que je pouvais proposer par rapport aux autres. C'était pas du tout le cas, donc c'est ce que j'appelle de l'exécréatif. Et comme le client vient pas nous voir pour vraiment un style, bah déjà on n'a pas vraiment ce statut un petit peu je suis illustrateur, respecte-moi pour mon style et pour ce que je peux t'apporter et je peux pas te proposer tout et n'importe quoi, et du coup on n'a pas ce rôle un petit peu d'expertise que recherchent la plupart des clients. Justement, en venant nous voir, ils ont des questions, ils ont envie qu'on les accompagne aussi sur un projet, et ça je savais absolument pas le faire, je ne pouvais même pas proposer un rôle d'expertise puisque de toute manière on me demandait un style et il fallait que je me débrouille pour pouvoir réussir à le faire d'une manière ou d'une autre. Et ça je l'ai vu plein de fois, j'en ai déjà discuté avec des personnes aussi sur Insta qui me disaient oh là là, j'ai un client qui est venu me voir et qui m'a demandé le style de machin. Mais moi je suis pas machin, et je dis bah oui je comprends, enfin pourquoi ils vont pas le voir directement, lui demander à quelqu'un qui peut tout appliquer et qui peut tout faire. Mais c'est la différence pour moi entre quelqu'un qui veut vraiment vivre de sa passion, de son style de dessin, et quelqu'un qui juste veut dessiner, fait de l'exécratif, ce qui est à mon avis très très bien quand on commence pour pouvoir justement toucher un petit peu à tout et pouvoir un peu savoir ce qui nous plaît. Mais au final je pense qu'on s'en lasse assez vite. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu as envie de proposer? Si par exemple imagine deux personnes dont un a été un client à toi sont en train de discuter dans la rue, qu'est-ce que tu voudrais que ton ancien client dise à l'autre personne? Donc vraiment dans le contexte bouche à oreille, qu'est-ce que tu voudrais qu'il dise quand il te recommande? Par exemple, la personne va lui dire « Oh, je cherche un illustrateur pour pouvoir illustrer ma plaquette. Je fais une offre pour, je sais pas, les mamans qui veulent donner de meilleurs goûters à leurs enfants. J'en sais rien. » Et l'autre personne, ton ancien client, va lui dire « Ah bah attends, je connais la personne parfaite. Aurore, elle a déjà bossé avec moi. Je sais qu'elle est spécialisée dans les personnages. Elle fait beaucoup de scénettes de la vie de tous les jours. Elle sait très bien dessiner des enfants puisqu'on en avait aussi inclus dans notre projet. Donc vas-y, je te la conseille. » En fait, j'ai encore ça. Comme je faisais du graphiste à un moment, j'ai encore des gens, des anciens clients qui me recommandent à d'autres personnes, clients et même, bah, vous savez, des amis de vos parents, des amis de la famille, tout ça, qui viennent me voir en me disant « Oh, j'ai donné ton numéro à un truc qui a besoin d'un logo. » Et moi, à chaque fois, je suis là « Tu sais que je ne fais plus de graphisme et que je ne fais pas de logo, je ne fais pas du tout d'identité graphique. Donc, non, ça ne me va pas du tout. » C'est comme si vous vouliez recommander quelqu'un pour changer votre salle de bain, donc quelqu'un qui est plutôt spécialisé dans les salles de bain et que vous conseilliez un menuisier. Enfin non, c'est pas du tout le même métier. Ok, on est aussi dans le bâtiment, on est aussi dans les métiers créatifs, pour remettre sur mon exemple, mais c'est pas le même métier. Donc même si vous vous spécialisez pas à fond dans le style je ne fais que un type de, je sais pas, d'animal d'une certaine technique, ça c'est peut-être un peu trop spécialisé quand même, et je pense que vous allez vite vous ennuyer, mais au moins essayez de faire un bon entonnoir pour savoir qu'est-ce que vous pouvez proposer, sur quoi vous êtes le plus doué, sur quelle partie vous pourriez justement donner votre expertise pour que les clients puissent venir vous voir en étant sûrs de vos compétences pour ça. Donc, comment on va essayer de mettre cet entonnoir? C'est simple, surtout, proposer des choses que vous avez envie de faire. Si vous avez jamais touché la gouache, par exemple, de votre vie et que vous proposez de la gouache, ce sera peut-être bizarre. Déjà, on le verra pas sur votre portfolio. Et en plus, bah, si on vous demande un énorme projet à la gouache et que vous savez pas forcément vous dépatouiller avec, bah, vous allez pas du tout vous placer comme un expert. Et votre client, il va pas forcément être très content. Et même si, dans l'autre sens, vous voulez proposer de la gouache parce que vous êtes très très bon en gouache, mais que ça vous fait royalement chier, bah, les gens vont venir vous demander des projets avec de la gouache parce que vous êtes bon. Mais si vous, ça vous énerve et que vous n'avez pas envie de faire ça pendant des années, des années, des années, mais surtout ne le proposez pas. Ça me paraît logique, non? On est quand même dans un métier passion, donc proposer des choses que vous avez envie de faire pour pouvoir, d'ici quelques mois, dire « Ah, je vis enfin de ma passion ». Alors je suis d'accord, il y a plus de demandes dans certains secteurs que d'autres. Comme on peut le voir en cliquant par exemple sur Dribbble, Behance, Pinterest, n'importe, il y a quand même beaucoup de vectoriel, tout simplement parce que ça s'adapte très bien au web, ça s'adapte très bien aux applications, aux réseaux sociaux, tout ça. Donc par exemple, dans le domaine de l'illustration vectorielle, il va y avoir beaucoup de demandes. Donc forcément, plus de propositions de boulot. Mais comme il y a beaucoup de gens qui se mettent sur le dessin vectoriel, bah, parce qu'il y a beaucoup de propositions de boulot, il y
y a un énorme catalogue et un énorme panel de tarifs. Donc ça peut aller de très très bas à très très haut parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font et qui proposent des tarifs différents. Bah très bien, parce que justement il y a beaucoup beaucoup de demandes là-dedans. Si vous êtes très bon et que vous adorez le dessin vectoriel, mettez vos tarifs assez haut parce que vous êtes spécialisé là-dedans, vous êtes un expert dessin vectoriel, vous n'êtes pas dans le bas du panier avec tous les gens qui sont plutôt exécréatifs, qui peuvent proposer tout et n'importe quoi. Vous êtes expert sur votre domaine, donc mettez des tarifs plutôt haut, ça c'est normal. Et pour faire un autre exemple, avec une technique qui est moins répandue, bah je pense toutes les techniques un peu plus à la main, comme je connais pas tout, mais l'encre, l'aquarelle, tout ça, effectivement c'est un peu moins répandu, donc c'est une offre qui est plus rare. Donc comme il y a moins de demandes, on cherche plus les gens. Quand on a un besoin justement avec une de ces techniques, on va chercher les créatifs et les artistes qui savent vraiment le faire. Donc vous êtes quelqu'un de rare, vous avez une offre, une expertise qui est rare et qui est dure à trouver. Et si vous êtes expert justement là-dedans, si vous savez dessiner mais tellement bien à l'encre, à l'aquarelle et que vous faites des choses magnifiques, pareil, les prix, vous pouvez les monter. Justement parce que la personne, quand elle va vous trouver, parce que c'est pas aussi facile à trouver que bah, justement le dessin vectoriel ou des choses comme ça, il faut que le client il se dise oh, c'est magnifique, c'est vraiment exactement ça que j'avais en tête, c'est ça qu'il me faut, j'ai pas envie de chercher parce que j'ai déjà mis 15 minutes à trouver cette personne et là je suis sûre que c'est elle qu'il me faut. Donc montez vos prix, vous avez justement cette valeur qui est là entre vos mains, donc vous n'êtes pas du tout un exé, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait ça un petit peu, genre ça passe, vous voyez, surtout sur des techniques un peu compliquées comme ça. Donc allez-y, mettez vos prix un petit peu plus haut, vous êtes un expert. Donc c'est sûr que dans notre domaine, notre offre, elle est reliée à notre style. C'est indéniable, c'est bien sûr ce qu'on propose en style illustration, ce avec quoi on a envie de dessiner, c'est forcément aussi nos offres. Et ça, il faut les mettre en avant, aussi bien sur notre site web, donc qui est notre portfolio, que sur nos réseaux sociaux. Sur Instagram, n'hésitez pas, allez-y à fond, ça vous sert aussi de portfolio. Je sais qu'il y a énormément d'illustrateurs qui trouvent des clients, des projets via les réseaux sociaux, donc Instagram, Behance, Pinterest, n'importe. Mettez en avant ce que vous savez faire et votre expertise sur votre style de dessin. Par exemple, il y a des gens qui y arrivent très bien, n'hésitez pas à prendre exemple sur les profils de différentes personnes que vous voyez sur Insta, qui sont, en fait, on dit tout le temps nos concurrents, mais c'est aussi nos acolytes, nos collègues, parce qu'ils font la même chose que nous, et s'ils le font très très bien, il faut s'inspirer de ce qu'ils font, dans le sens comment ils arrivent à mettre aussi bien en avant pour qu'on vienne les voir pour ce style d'illustration-là. Je dis pas qu'il faut copier les photos et les styles de dessin et les dessins au très près, pas du tout. Je dis qu'il faut copier la stratégie, comment on met en avant, comment ces personnes ont réussi à se définir et qu'au premier coup d'œil sur leur, par exemple, profil Instagram, on arrive à voir exactement ce qu'ils font. Pour vous donner des exemples d'illustrateurs, quand on va sur le profil de Laura L'Huillier, alias Areal, on voit tout de suite, c'est féminin, c'est jeune, ça répond aussi à peut-être des projets un peu DIY à la maison, parce que elle fait beaucoup de textures, on voit que ses illustrations, on dirait presque pratiquement du collage, et ça marche aussi très bien pour l'éditorial. Donc ça, on le voit du premier coup d'œil en arrivant sur son profil. Il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. De toute façon, gardez en tête, un client potentiel va déjà avoir son idée de projet dans la tête avant de chercher un illustrateur, c'est normal. Donc il faut que quand il arrive sur votre portfolio, il se dise « oui, c'est ça que j'ai en tête ». Mais ça, il faut le travailler, ça c'est votre rôle de savoir mettre les choses en avant de ce côté-là. Pour donner un autre exemple, Laure Dorin, pareil, elle, quand on arrive sur son profil, on voit tout de suite, c'est son pour des sujets de société, parce qu'il y a beaucoup de personnages, ça ferait des très bonnes illustrations pour de l'éditorial. On le voit, c'est là, on a l'évidence sous les yeux, et puis même, elle a déjà fait des projets un peu justement dans l'éditorial et tout, et elle les met en avant. C'est comme ça qu'un client peut se projeter. Et dernier exemple, par exemple, La Grande Lison, elle fait de la BD, des personnages, de l'humour, pareil, ces petites BD, on les a retrouvées dans plein de magazines, sur des sites web, enfin, c'est des choses un peu, c'est des sujets grand public, avec un ton d'humour, c'est très familial, ça marche très bien aussi pour les mamans, pour les enfants, donc ça, c'est pareil, on le voit du premier coup d'œil.
Si je regarde un ou deux de ses posts, tout de suite, je vais savoir ce qu'elle propose et pour quelle sorte de projet je peux la contacter. Donc, votre objectif pour pouvoir mettre en avant votre spécialisation, ça va être de savoir quoi mettre sur vos profils réseaux sociaux plus portfolio pour que le client, quand il arrive dessus, il se dise « Ok, cette personne-là, il faut que je la contacte pour ça et pas pour autre chose. » Par exemple, les trois filles que je viens de vous présenter, on va jamais les contacter pour leur demander une plaquette d'explication d'un moteur automobile. Enfin, sauf si vraiment c'est de l'éditorial et qu'il y a tout un article avec, mais vraiment, leur style de dessin va pas forcément correspondre et on le voit, c'est évident. Donc ça sera votre rôle pour pouvoir justement essayer de affiner vos offres au maximum pour que quand un potentiel client arrive, je le redis, sur votre portfolio, il sache tout de suite pourquoi vous contacter et que vous allez être expert en la matière. Donc, par où on commence ? Commence par créer une offre claire. Donc, comme je disais avant, il va falloir affiner portfolio, réseaux sociaux si c'est pour trouver des clients. Donc, surtout si tu es en train de débuter, surtout sur les réseaux sociaux, que tu n'as pas 1000 publications, ou en tout cas beaucoup de publications comme les filles que j'ai mis avant, il va falloir que tu réfléchisses à tout ce que tu peux mettre en avant dans ta pratique. Donc, commence par des trucs simples, par poster des anciens projets clients, commence par poster de tes illustrations, tout ça. Et donc, commence par faire ton portfolio. Et si tu n'as jamais fait d'illustration, ce qui est possible, si tu es en reconversion, ou tu sors d'études et que tes projets, je sais que les projets d'école, c'est très ouvert, il y a des choses très variées. On n'a pas forcément essayé de creuser pour avoir son propre style et savoir quoi proposer en tant que freelance par la suite. Peut-être dans des études d'illustration, mais c'est pas ce que j'ai fait du graphisme. Du coup, je sais qu'en graphisme, c'est pas ça. Donc, n'hésite pas à commencer par faire des faux projets, par exemple, pour mettre dans ton portfolio et sur ton Instagram. Fais des illustrations, fais des faux projets, fais des faux articles, tout ça. Vas-y, fais-toi plaisir. En plus, ça fait du bien la main et puis c'est toujours agréable de pouvoir faire des nouveaux dessins. Donc, fais ça et poste-les. Poste-les sur internet, poste-les, portfolio, Instagram, Behance, Pinterest, vas-y, c'est comme ça qu'on va pouvoir te découvrir. Ensuite, sur ton portfolio, je parle surtout du site web, du coup, pas sur les réseaux sociaux, tu peux choisir de montrer tes prix ou pas, ça c'est toi qui vois. Donc, en fait, quand on regarde beaucoup les portfolios de graphistes, souvent ils font des offres avec des espèces de packs. Par exemple, un logo plus charte graphique, plus typo, je vous donnerai des exemples dans la barre d'infos juste en dessous. Notamment, j'ai en tête Studio Kai qui le fait très très bien. Donc, eux, ils font des offres avec des prix fixes. Toi, t'es pas obligé. Je sais qu'en illustration, ça varie énormément. Ça, on en parlera dans une des prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, dans la petite liste des vidéos qui vont venir, il y en a une qui est vraiment sur les prix. Donc ça, j'en reparlerai un peu plus dedans. Mais t'es pas forcément obligé de montrer tes prix. Enfin, ça, je pense qu'il faut vraiment adapter aussi au projet. Donc, je te conseille quand même de faire une grille pour toi, avec vraiment le prix où, en dessous, de toute façon, tu gagnes pas d'argent, donc tu ne peux pas passer en dessous de ce prix-là. Et tu ne peux aller que au-dessus. Et d'avoir... de te donner un pourcentage ensuite pour pouvoir négocier. Voilà. Donc j'en parle pas plus dans cette vidéo parce que de toute façon ça prendrait beaucoup trop de temps vu que c'est un sujet un peu plus compliqué. Donc on se retrouve dans une des prochaines vidéos pour parler de ça. Allez, attendez, c'est pas fini. Crée un site web qui met en avant ton offre. Donc j'ai parlé des réseaux sociaux, d'un portfolio, mais pour créer un site web, il n'y a pas besoin de faire un truc très compliqué et de savoir coder. Hein. C'est cool quand même d'avoir un site web comme portfolio en ligne, c'est cool. Même c'est, je dirais, pratiquement obligatoire parce qu'un client qui arrive par Pinterest ou par Instagram, qui voit ton travail, il va vouloir aussi aller voir quelque chose de plus officiel, peut-être avec des anciens, seulement des anciens projets clients et pas que des images Instagram. Et du coup, il va chercher ton site web. Donc ça, il t'en faut un. Franchement, te prends pas la tête. Tu peux faire un Wix, donc c'est un site web où tu construis visuellement, donc en posant les éléments où tu veux. Tu as plein de templates déjà préfaits. Sinon, tu peux prendre Adobe Portfolio. Si tu es abonné à la suite Adobe, tu peux très bien, à partir de Behance, te construire un portfolio qui se génère en un site automatiquement. Donc tout ce que tu mettras sur Behance, ça se mettra sur ton portfolio à toi, où il y aura ton nom et ton prénom dans l'URL. Donc ça peut être une solution, si tu payes la suite Adobe, d'avoir ça en plus. Et si tu as envie de faire un truc beaucoup plus personnalisé, tu peux prendre un WordPress. Moi, c'est ce que j'ai parce que j'avais envie et que j'avais appris WordPress à l'école, du coup, je savais servir. Donc là, c'est gratuit, mais il faut après pouvoir
faire un thème qui te convienne. Donc moi j'ai quand même acheté un thème, j'en ai parlé dans la vidéo, j'ai fait toute une vidéo justement là-dessus sur mon site WordPress, bon plus orienté sur la boutique qui aujourd'hui n'est plus une boutique, mais j'en parle au moins dans cette vidéo, donc n'hésite pas à aller cliquer là-dessus pour voir cette vidéo justement sur mon site WordPress. Donc sur ce site, que ce soit Behance, ton site, n'importe, de toute façon c'est ton site, ton portfolio, montre ce que tu sais faire, donc mets des photos de tes projets, mets des mock-ups, mets des élus en plein pot, mets des zooms, franchement c'est toujours objectif séduction client pour que ton offre elle se voit du premier coup d'œil et en plus que le client se dise waouh, c'est cette personne là que je veux et je suis prêt à mettre le prix. Donc vas-y, n'hésite pas à prendre des mock-ups, comme je te dis, à faire des photos et tout. Inspire-toi de sites de d'autres illustrateurs, il y en a plein qui le font très très bien. Et n'hésite pas à aller regarder comment ils mettent en avant leurs projets. Si t'as pas forcément un très bon appareil photo, demande à des amis. Je suis sûre que dans on est créatif, je pense qu'on a tous des amis avec un appareil photo autour de nous. Pour qu'ils puissent t'aider à prendre des belles photos de tes projets, de tes illustrations, à savoir les mettre en avant. Si tu fais des faux projets, comme je disais juste avant, et que tu fais par exemple des faux projets d'éditorial, prends des mock-ups de magazine, mets-les dedans, mets ça sur ton site. De toute manière, je pense que dans la plupart des clients, ils s'attendent pas non plus à un site qui soit sublime, magnifique, hein, t'es pas un site Louis Vuitton ou je ne sais quoi, hein. C'est un portfolio, donc personne t'en voudra de le mettre dans des mock-ups, c'est normal, ça permet d'aider le client à se projeter, mais il n'y a pas besoin non plus que ce soit impec parfait et qu'il ait envie d'acheter ce magazine-là en particulier. Non, il faut juste qu'il arrive dans sa tête à se projeter et à savoir ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu proposes. Donc vraiment ton but, c'est de faire en sorte qu'il n'aille pas chercher plus loin. Tu veux lui faciliter la tâche pour quand il arrive sur ton site, il se dise « Ok, c'est cette personne-là qu'il me faut. Il y a des illustrations pour l'éditorial. Moi, j'ai besoin d'éditorial, donc je vais contacter cette personne-là et je ne vais pas aller voir plus loin pour perdre mon temps parce que de toute façon, c'est cette personne-là qu'il me faut. » Ça, c'est ton objectif. Donc sur ton site, crée une page contact. Quand même, comme je te disais juste avant, c'est il faut faciliter la tâche au client pour pas qu'il aille voir plus loin. Donc il faut pas qu'il cherche ton adresse mail ou ton numéro de téléphone pendant 3000 ans. Crée une page contact, voire mets en la fin de tes projets sur Behance et tout une petite phrase en disant si vous voulez travailler avec moi, contactez-moi à et vous tu mets ton adresse mail professionnelle. Franchement, mets-la au maximum, même sur Instagram et tout. Avec sur Instagram, on peut faire contacter ou là du coup les personnes appuient sur le bouton et arrivent directement sur les mails. Je crois que ça marche très bien, surtout sur desktop. Et mets ton adresse mail. Franchement, vas-y. Il faut faciliter la tâche à de potentiels clients pour qu'ils te contactent le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc ça y est, t'as ton portfolio, t'as ton Instagram, tout est prêt, ton offre est définie dans le sens où tu sais exactement ce que tu vas publier, dans quel style, qu'est-ce que tu veux faire et proposer à des clients pour faire ce type de projet. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc si tu as déjà des potentiels clients qui viennent te voir, trop cool, youpi, on a réussi notre objectif, mais surtout n'arrête pas de poster, il faut que tu continues à poster des anciens projets clients, à faire potentiellement des projets perso, jusqu'à ne plus du tout avoir de temps, vas-y, continue, et puis fais du recyclage, repose des anciens projets et tout sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème avec ça, fais en sorte de garder ton portfolio sur ton site à jour, tout simplement parce que je sais que nos styles évoluent rapidement, la façon dont des même des choses très simples, les personnages, les décors et tout, ça évolue tellement vite qu'il faut absolument que tu tiennes ton portfolio à jour. Et s'il y a des choses que tu faisais il y a 6 mois que tu n'as pas forcément envie qu'on te recontacte pour aujourd'hui, enlève-les. Franchement, enlève-les. Et remets des choses seulement qui correspondent à ce que tu veux faire actuellement, où tu sais qu'il y a de la demande pour pouvoir orienter au mieux ton site, ton offre et ce que tu montres pour qu'on te contacte pour ce genre de projet. Et si t'as pas encore trouvé de client, que justement ça, c'est un peu lent, tu sais pas encore comment faire, que bah, sur Instagram tu débutes à peine et que sur les réseaux sociaux, aussi bien LinkedIn, Pinterest et tout, t'as personne vraiment qui regarde ce que tu fais, il va falloir mettre en place une autre stratégie qui s'appelle la stratégie de contenu. Et ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si tu as aimé tous ces conseils, parce que bah, comme ça l'algorithme de
YouTube est très cool avec moi. Il y a d'autres personnes qui profitent aussi des conseils. Et donc, la prochaine vidéo, ce sera sur la stratégie de prospection. Je sais que tu te demandes un petit peu ce que c'est, mais t'inquiète pas, j'explique tout sur cette stratégie-là et la stratégie de démarchage qui marche très bien aussi. Donc ça, tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo de lundi prochain. Voilà. Allez, j'ai assez parlé, je pense. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut !